Commençons, on va mettre un peu de zik. En petit fond. Voilà. Alors. Premier. Commençons. Ah merde, il y a de l'écho. Ça va le faire. Alors. Premier. Ah merde, il y a de l'écho. Allez, premier. Petit effet. Ouais, ça va, sympa. Allez, premier. Petit effet. Ouais, ça va, sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Un pingouin. Sympathique. Je prends des dégâts à serviteur adverse, aléatoire et le gel. Ouais, ça c'est pas trop mal. Ça peut être pas mal aussi. Faut-il encore avoir. Mais bon. Ouais, c'était un peu bizarre, mais. Ah, c'est piocher une carte, autant pour moi. Ah, ouais, piocher une carte, elle est vraiment. Ah, oui, bah oui, c'est trop bien. C'est vraiment fat. Ça peut être pas mal aussi. Puis une goule de 2 pour chaque fois qu'il subit des dégâts. Ah, mais il faut qu'il survive. Ouais. Ça peut aller. Allez. On va avoir quelques légendaires, ça serait vraiment top. Alors. Vol de vie, c'est vrai qu'il y a cette petite truc en plus de vol de vie. Alors, je sais pas ce que ça vaut, si c'est vraiment le nombre de dégâts que tu fais, qu'on fait au PNJ et ça rend exactement le même nombre de dégâts. Mais si c'est le cas, c'est badass. Plutôt badass. Alors, faire un serviteur allié, Herald d'agonie, invoque ce serviteur. Ça c'est badass ça. Ça c'est fort. Un bouclier divin de protection. Il me semblait qu'il y avait déjà une commune qui avait déjà ses. Ah non, pas la taunt. Il avait pas taunt. Mais ça c'est fat du coup. Très très fort. Alors, gagne plus d'un à chaque fois que votre arme est détruite. Ouais. Ça peut être pas mal pour un war. Pour un war pirate. Oh, le deck défaut sans démoniste. Très fort aussi. Oh, la première légendaire. Alors, donc celle-là, on l'a vu. Alors, à la fin de votre tour, donne plus 3 d'attaque à un autre serviteur allié, aléatoire. Celle-là, je l'avais déjà vue, vu que j'ai fait déjà le début de l'aventure. Ça c'est vraiment fort. Plus 3 attaques à un autre serviteur allié à chaque fois à la fin du tour. C'est vraiment badass, ça. Devient insensible, ça peut être fort aussi. Plus 2, 4 pour 3, c'est pas dégueulasse. Ouais, celle-là, je l'ai vu aussi. Contre Osley. Enfin, contre Gargamel. C'est vraiment. Si on a un gros deck Herald d'Agony, ben tu fais que piocher et c'est vraiment, vraiment fort. Et la fameuse légendaire. Anduin. Cool. C'est cool, c'est cool. Petit Anduin des familles. Un petit 1. Alors, détruit tout serviteur avec 5 attaques ou plus, le cri de guerre qui remplace le héros. Ça peut être pas mal si t'as un deck qui est complètement blindé. Tu mets ça et BRAM! Allez, on chaîne. Commune dorée.
R de 100. Hashtag DK. Hashtag DK 100. Alors, pisteur recousu, cri de guerre, découvre une copie de serviteur de votre deck, ok. Ok. Ok, bouclier divin, dégâts des sorts plus 1. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Invoque un squelette 8-8 si c'est le tour de votre adversaire. Waouh! Ça peut être vraiment badass parce qu'il sera obligé de la tuer un jour ou l'autre au bout de la silence, donc ouais. C'est vrai que ça peut être vraiment bien, une 8-8. C'est fou. Surtout tu l'obliges à mettre une prot dessus et ça passe. Alors, chaque fois que vous jouez une carte, retirez une carte de votre deck. Ouais. Peut éventuellement être utilisé pour un deck. En même temps, ça les retire. C'est de l'automule, c'est un peu bizarre, mais. Ah, je suis pas trop fan de cette carte. Vraiment pas fan du tout. Celle-là on l'a vu, celle-là aussi. Le vol de vie aussi. Alors la servitude alliée. Éternelle. Découvrir un serviteur allié mort pendant cette partie. Une invoque, ça c'est très très fort. En plus tu peux choisir sur 3. Sur t'as 3 choix pour savoir lequel tu veux mettre. Il est vraiment très fort. Alors une fois que vous avez joué un serviteur, lui inflige un point de dégâts. Ah, un peu bizarre cette carte. En début de game, elle peut être vraiment très bien, mais après, suivant ce combien de cartes tu joues, ça la suicide quoi. Mais sauf si tu as la silence, mais 1-3 pour 1, c'est pas la joie. Donc les deux souffles, ok. Ah, Murloc, vol de vie. Ouais, mais bon, un pour un évoque vol de vie. Je sais pas encore comment vraiment enfin, comment vraiment ça fonctionne le vol de vie, mais. Je pars du principe qu'il doit taper pour regen. S'il a qu'un point de vie et qu'il se fait tuer, il va pas regen des masses, quoi. Je sais pas comment ça fonctionne exactement. Si c'est le vol de vie par rapport au héros et pas par rapport à la carte. Râle d'agonie, inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Ah oui, c'est fort ça. C'est une 2-1 pour 4. Bon, après c'est beau. C'est une 2-1 pour 4, c'est pas des stats exceptionnelles. Alors. Allez, on veut de la légendaire. Les pingouins. Ouais, la sortie des pingouins. Ouais, celle-là, il y avait déjà une même carte, plus 1, serviteur allié, donc c'est vrai, rien de nouveau. Alors, qui sort, dégâts des sorts plus 2, 4-4, 4-4 pour 6. Ouais, je sais pas. Il me semble qu'il y a mieux qu'une 4-4 pour 6, donc je pense pas qu'elle sera utilisée. Oh, première épique. Alors, une 2-5 pour 5 avec toxicité. Ça va, ça peut être cool. Celle-là, on l'a vu. Plus un autre serviteur allié à la Terra. Celle-là, je l'avais vu aussi. Ok. Bon, ça peut être pas mal. En début de game, elle peut être bien. Puis après la game, bref. Tu peux vite te faire tuer par un ton ou un truc comme ça. Une épique. Alors. Choisissez un serviteur adverse au début de votre tour, vous prenez le contrôle. D'accord. Ok. Tu peux le choisir, exemple. Oh, mais je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, étant donné que tu es obligé d'avoir d'être à ton tour. Pour jouer la carte. Donc est-ce qu'en le jouant directement, elle prend le contrôle directement ou bien ça prend effet que au tour d'après? Je sais pas. Mais c'est une 6. Autant prendre directement. Ah mais c'est le contrôle.
Ah oui, c'est le contrôle permanent. C'est comme un CM mais qui a effet que au tour d'après. Ouais. Commune dorée. Alors, si vous piochez une carte, on l'avait déjà vu, donne plus un dégât de sort à un serviteur allié. Ah, celle-là, je l'ai pas vu. Ah, alors, on l'a vu. Alors, la druidesse. Une 1-2 pour 2. Se transforme en 1-2 avec toxicité. Ou un 1-2, 1-5 avec provocation. Ouais, ça peut être cool. Une 1-5 pour 2. Ça peut être pas mal. Alors, fais le mort. Je déclenche le serviteur d'agonie d'un serviteur allié. Ouais, chasseur d'agonie, ça peut être très très fort. Pour 1, c'est facile. Alors de... Ah, ça peut être sympa, je l'avais jamais vu celle-là. 3-2 pour 3, les stats sont correctes. Un bouclier divin, dégâts des sorts, on l'a vu. J'ai un adversaire. Pour deux, c'est correct. L'effet cool aussi. Alors, 3-1 pour 3, ajoute un serviteur à la terre avec Radar Agony dans votre main. Ouais, ça va. C'est pas dégueulasse. Alors, épique, épique, épique. Alors, donne plus 3 attaques, on l'avait vu. Le vol de. Ah, 3-3 pour 3, vol de vie. Lame de sang. Guerre, Hérald d'Agonie inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Donc, ouais. Ouais, ça va. Pour le voir, à l'époque, ça remplaçait l'arme qui faisait un point de dégâts à tout le board. Mais du coup, ça peut être pas mal. Ça la remplace, ça fait à peu près le même principe, c'est cool. Surtout que ça le fait à double. C'est pas dégueulasse. Allez, épique, une nouvelle épique. Inflige 2 points de dégâts à un serviteur, lui. Ok. Ok. 2. Puis ça inflige 2 points de dégâts et ça lui fait une toxicité. À lui mettre sur une. Peut-être sur une un bouclier divin. Ça peut être pas dégueulasse. C'est la chanson, putaclic. Alors. Celle-là, on l'a vu, ça aussi, ça aussi. Gagnez 6 points d'argent, c'est le tour de votre adversaire. Ok. J'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal de râles d'agonie qui s'activent seulement quand c'est le tour de l'adversaire s'il meurt. Alors, scientifique, combo, confère toxicité. Waouh! Alors, ça, c'est méga fort. Juste sur un combo. Ça, c'est méga fort. Alors. Tac, encore une épique. Je regarde pour après. Ah, les mains, les secrets de mage. Alors, celle-là, oh, que des nouvelles. Alors, détruit un serviteur allié et gagne plus 1 plus 1. N'importe serviteur. Ah, ça peut être pas mal sur un deck avec le. Je sais plus si le fameux trait qui invoque les diablotins existe encore ou peut être disponible sur le ladder officiel ou que dans le mode libre, mais tu butes un serviteur avec ça, ça devient 3-3 pour 1, c'est juste trop fort. Dragdos, ajoute une carte dragon aléatoire dans votre main. Oh, une dra wow, dragon! Tu peux tellement tomber sur Eldemort. C'est une 6-5. Si, ça peut être pas mal. Non, par contre, on va peut-être pas mettre. On va peut-être pas mettre ça en musique. C'est un peu mieux. Clone de glace. Alors, une fois que votre adversaire a ajouté un serviteur, on ajoute 2 copies dans votre main. Oh.
C'est de la merde moyen quoi, mais c'est vrai que ça peut être pas mal comme secret, ça nous changera des secrets actuels. Un peu de fraîcheur. Sans conviction, on fait passer l'attaque et les PV d'un serviteur à 3. L'attaque et les PV. Donc ça va devenir une 3-3 pour 2. C'est méga fort! C'est méga putain de fort. La pique. Simulacre. Copie le serviteur au coup le plus bas dans votre main. Ouais. Moyen. Moyen. Dépend le deck. C'est vrai que je me vois pas. Je réalise pas encore les decks qui sont encore possibles, mais. Ça, on l'a vu. Vétéran, on l'a pas vu. Crit Guerre donne plus un attaque à un serviteur allié. Tout qu'on a déjà vu. Pour 1. 2-1 pour 1. On l'a vu. Attends, vos armes ne perdent pas de durée. Waouh! Ah, mais c'est hyper fort! Ah, mais c'est que pour voleur. Oh, la tristesse. 5-3 pour 4. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, ça fait presque 10 paquets que j'ai ouvert. Alors, de son avis, qu'est-ce? Donc, une boule de 2 chaque fois que l'un de vos autres serviteurs meurt. Ouais. S'il y a des protres, t'es sûr au moins de qu'ils restent en vie. Oh la taunte. 2-8 pour 3 avec 3 de surcharge. Waouh. Ça me fait penser beaucoup à la taunte de 2-8 pour 2. Mais qui a invoqué un carte de l'adversaire sur le board. Limite, c'est vrai que c'est plutôt pas mal une de 8. Vraiment, vraiment fort. Hein. La brise-glace détruit tous les serviteurs. Je l'ai laissé par cette carte. Ils ont pas de gel de bord donc. Pour un mage, aurait été méga fort cette carte. Bon, déjà, un mage avec une arme, c'est un peu bizarre déjà. Épique. Et des communes. Ça, on l'a vu. Alors, vol de vie. Inflige le point de dégâts à un serviteur. Comme dit, je vois pas encore le vol de vie, mais. Je sais pas. C'est special. Mais je pense que ça te dit au héros, je pense. Alors. Rare. C'est sacrifié. Soigner un serviteur allié, le débrouille ainsi qu'un serviteur adverse aléatoire. Ouais, c'est une putain de carte en face, ça peut être vraiment badass. Waouh, waouh! Une 8-8 pour 11. Coup cristal, alors, écoute, un cristal de moins pour chaque cristal de mana en surcharge pendant cette partie. Waouh! Waouh! Vu que le deck shaman est basé sur les surcharges, ça peut être très très fort. Alors, Azuricteur, on l'a vu, Valkyr soigné. Crit Guerre donne plus de PV au serviteur adjacent. C'est une 5-4 pour 5, ça peut être pas mal, celle-là elle est bien. Je kiffe. Alors, Crit Guerre plus 1 pour chaque serviteur mort pendant ce tour. Ouais. Genre après. La 0-8 qui kill tout ce qui bouge. Enfin. Je sais pas comment ça s'appelle cette carte. Ah! L'hospice funeste là. Après ça, après un hospice. Vu que techniquement c'est notre tour après le déclenchement, elle peut être juste mortelle. Gagne plus 1 à chaque fois que votre arme est détruite. Ouais, 4-4 pour 4, c'est moyen. C'est moyen que c'est moyen. Alors, on veut de la légendaire, là on n'a pas vu beaucoup. Ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu. Donc on chaîne. Alors, ça on a vu, ajoute 2 squelettes à votre main, ça je l'avais pas vu. 5-5 pour 5, bah les stats sont corrects. Donc le râle d'agonie de squelette, ok. Ça
ma vie. Provocation, gèle tous les serviteurs blessés par ce serviteur. Ah! Ma fameuse compo avec la hache. La fameuse hache qui bute n'importe quel serviteur qui était gelé. Donc à utiliser avec celle-là, logiquement. Et le murloc, on l'avait déjà vu. Bon, musique, il y a pas une autre musique. On va mettre ça. Musique triste. Bon. Rare. Briseurs, on l'a vu. Brique d'âme. Avec une goule de deux chaque fois que ce serviteur survit. Dès qu'il a subi. On l'a déjà vu. La toxicité d'un serveur allié, on l'avait vu. Donne plus 3 à votre héros pendant ce tour. Gagne 3 points d'armure. Oh, génial! Plus 3 attaques au héros, plus 3 d'armure. C'est mais la meilleure combo que l'autre. C'était soit la plus 4, soit l'armor. C'est vraiment fort. On produit des bonnes petites cartes. Ah, génial! Ajoute un sort image miroir dans votre main. 2-6 pour 4. Plus image miroir. Je crois que l'image miroir c'est une 0-0. Enfin une 0-2 pour 0 ou 1, je sais plus. Ça peut vite caler un spell ou autre. Là, 2-5 pour 5. Ouais, une toxicité. Basique, le souffle, le grognement, on l'a vu avant. Bon. On chaîne. Oh, il y a un pic. Ta ta ta. Et les pics. Alors, vétéran, on l'a déjà vu. Ça aussi, ça aussi. Alors, oh, la flèche toxique, on l'a vu aussi. On retombe sur les mêmes. C'est embêtant. On a vu. Ah, les deux du bord, on les a pas vus. Les pouvoirs héroïques sont désactivés. What? Oh, génial! Excellent! 5 pour 7, plus 4, plus 4 de provocation. Oui, la combo de ouf! La combo de ouf. Alors, ça on a vu. Ça aussi, ça aussi. Alors, champion Free Slam. Charge vol de vie. Comme dit, je crois. Si c'est le cas où ça vole pour la pour le héros, c'est cool. Mais si c'est pour la carte, c'est moyen du coup. Il a pas beaucoup de PV. Mais la charge, donc c'est pas mal. Ça, on l'avait déjà vu. Alors, le drac de Geist, on l'a vu, le Vénimancien aussi, le baron aussi, et le chevalier aussi. Oh, il y a pas mal de rares. Alors, Barlock, on l'a vu. Alors, l'âme de l'ombre, votre héros devient insensible pendant ce tour. Juste pendant le premier tour. Bon, ça peut être russe, mais c'est fat. Tu prends pas de dégâts, la sensibilité au héros est toujours très très fort. 3-2 pour 3, c'est pas dégueulasse. Alors, avec un scarabée 1-5 avec provoque, si votre adversaire a plus de serviteurs. Lance ce sort. Ok. Après, avec l'une de bordel, ça peut être pas mal. Briser l'esprit, on l'avait vu. Et traître aussi. Oh, deux boules épiques. Alors, ça, on l'avait vu. Le truc, ça aussi. Allez, deux épiques. Alors. Deux, on les avait jamais vus. Invoque un serviteur de votre deck dont l'attaque est inférieure à celle de ce serviteur.
Ouais. Bah, il faut des grosses cartes, genre une 0-8. Pom pom pom. L'effet de ce tour déclenche des flammes dans vos effets. Qu'est-ce qui me chie? Alors, donc le charrier, ouais, ouais, comme dit, sauf si on peut augmenter les points de vie de ce serviteur d'une quelconque façon. Inférieur à 1, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas compté comme 1, forcément 0, il n'y a pas beaucoup de serviteurs utiles avec moins de 0. Sauf la fameuse provoque qui est invoquée avec un mob, je crois. Je sais pas si elle compte dedans. Le pingouin toujours, le zélote on l'a vu, l'abomination affiche un point de dégâts à vos serviteurs à Araldaouni. Ouais. 5-6 pour 4 est vraiment très fort, les stats sont vraiment badass. Vol de vie inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. C'est-à-dire que les siens aussi. Moyen du coup. Mais décidément, mais là, il les enchaîne les gens derrière mon cher psycho. Le pisteur qui sort, on l'a vu, ça aussi. Ça aussi. Allez, j'aimerais bien des ours légendaires là. Légendaire. Et voilà, une légendaire, nickel. Alors, cri de guerre. Ah, on l'avait pas vu celle-là. Gagne des caractéristiques équivalentes à celles de votre arme. C'est pas mal. Pirate. Ben, pirate pour le guerrier pirate. Lol lol. Ça serait parfait. Alors la légendaire. China. Invoque un élément d'eau 3-6 aux élémentaires en vol de vie pendant cette partie. Ouais. China. China. Présidente. Voilà, deux, bim. Nickel, nickel. Pour l'instant, je crois deux légendaires de classe. Peut-être que j'ai trippé, je me rappelle même plus de la première. C'est bien, Mathis, c'est bien. Épique. Alors, le vétéran, on l'a vu, cocher deux murlocs de votre deck. Bon, bah, chame murloc le retour. Oh, une 4-8 pour 9. Voilà, provocation, vol de vie, râle d'agonie, détruit un serviteur. Aléatoire. Ouais. Surtout que c'est une 4-8. Donc si c'est prêtre ou un prêtre, la 4-8 ne peut pas être gérée par un roi de l'ombre. Mais le vol de vie est vraiment badass du coup, avec 4 PV et 8 PV, ouais. Et ça détruit un serviteur aléatoire. À la mort. Ouais. Si pas mal du tout, ouais. C'est pas mal du tout. Commune dorée. 4 plus 1 chaque fois que votre arme est... Oui, on l'avait déjà vu aussi. Quand la légendaire dorée, ça c'est la question. Ah, celle-là on l'avait pas vu. Chaque fois que ce serviteur... Oh bah si. Ah non, il y en a encore une autre, une version plus haut le niveau je crois. Alors... Ah ça, je crois qu'on l'a pas vu. Confère à un serviteur Hall d'agonie, le serviteur est resté un PV. C'est le même principe, pas trop pratiquement que la première des secrets de Pâle. Mais elle est cool. Avec un point de vie. Et il garde ses attaques. Ça peut être pas mal. Genre un petit tirion, c'est pas dégueulasse. Pingouin berserker. Alors, ajoute un serviteur aléatoire avec râle d'agonie dans votre main. Oh! Je me fais agresser, quoi. Alors, râle d'agonie, si on l'avait vu, donc je reviens à ça. Aléatoire, après, est-ce que c'est aléatoire du deck ou si c'est complètement aléatoire de n'importe
quel Ral d'Agonie qui existe. Ah le bâtard. Je vais me le payer. C'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. On veut des légendaires. Alors le baron, avec une goule, c'est bon. Avec une copie de serviteur. Ah oui, on l'avait pas vu celle-là. Celle-là est cool. Ça fait 2, 2, 3 sur 2, 3 pour 4. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On fait un vol de vie à votre arme. Ouais. Pas mal. Pas mal de tout. Épique. Alors, celle-là, on l'avait pas vu. La rare. Avec une copie 5-5 des serviteurs à l'heure de tech. Copie 5-5. C'est pas mal. Bon, faut pas que ça tombe sur de la merde, mais une 5-5 pour 6, ça a toujours été correct. Alors, du râle d'agonie, ça crée un petit trampoline de dégâts dans les serviteurs ou leur donne. Oh, ça c'est méga fort. Ah oh, oui, je l'ai testé, elle est trop ouf. Une 2-2. Ça donne 2-2 à tout le board quand tu le mets. C'est juste un truc de malade. C'est super fort ce carte. Ce putain de chagrin. Alors, servitude éternelle. Ça l'avait déjà vu, le pingouin, le clown aussi. Ah, 10 toiles. Avec deux araignées, 1-2 avec toxicité. Waouh. Méga fort. Ok. Ouais, on les a déjà vus. Alors, la forge, on l'a pas vu. J'ai la valanche non plus. Toucher deux armes dans votre deck. Trop fort. Utiliser en war. En war pirate, c'est tellement bien. La serviteur infiltre point de dégâts au serviteur adjacent. Ouais. Avec la combo de l'arme, c'est peut-être aussi très fort. Très très fort. Bon, y a pas une musique qui me met un peu mieux là. On va mettre celle-là. Qui est pas très connue. Ball. Alors, le fouet. Ah. Ça la connaissait déjà. On veut du légendaire. Alors l'archer on l'a pas vu. Alors Ral d'Agonie invoque une bête alliée aléatoire morte pendant cette partie. Oh si t'as une 6-7 pour 7. Putain, c'est cher pour un chasseur je trouve. Malgré les stats sont bonnes. 63. J'ai eu deux légendaires sur 40 paquets. C'est moche. Bon, ça reste une bonne moyenne, mais. Normalement, sur 100. Si je peux s'en gratter 5, ça peut être pas mal. Berserk démon, on l'a vu à la chaîne. Alors, tout vu sauf le colosse. Défausse de toutes les armes dans votre main et gagne leurs caractéristiques. Wouah! Oh le truc de malade! Ah oui, mais c'est un truc de ouf ça. Bon, si ça te prend un chip, t'es vraiment de dégâts vie, mais. Si tu peux pas la gérer. Mec, il peut cancel direct. Ours requin. Il peut pas être la cible de sort de pouvoir héroïque. 4-3 pour 3. Ça c'est vraiment fort. Ah oui, ça c'est méga fort. Difficilement la gérer une 4-3. Si le sous dépend ce qu'il y a en face, si le bord est vide. Rare doré.
On l'a vu, ça on l'a vu, grognement on l'a vu, et ça aussi. Encore 60 boosters. Squelette on l'a vu. Alors le laboureur maudit on l'a pas vu. Chaque fois que ce serviteur attaque. Ah oui, ça c'est méga fort. En début de game. Et un double pause. Très fort. Même en dehors des tours 1. Si t'arrives à attaquer, ça fait 3 points de dégâts à chaque tour, une 3-1 pour 1 l'équivalent. Méga fort. On n'a pas le temps. Bim. Oh, double pique. Alors, Seigneur des Cryptes, gagne un PV chaque fois que vous avez invoqué un serviteur. Waouh, ça va tenir un temps, on est un peu en niveau PV. C'est-à-dire que c'est un 3. Copie de l'autre main dans le deck. Il y a la même version en mage, je crois. C'est celle-là que j'avais trouvé, je sais plus, peu importe. Mais ça peut être, dans les deux cas, ça peut être très fort. Et là, 1-6 pour 3 est très forte aussi. Surtout qu'elle augmente suivant les PV qu'on bute. Commune dorée. One shape on you. Celle-là, on l'avait vue. Non, pas ça. On va mettre. On les a tous vus. Avoir une légendaire là, ça serait cool. Le pêcheur l'a vu. Et là aussi. Ah, pardon. Ah, profanation, ça je l'avais jamais vu. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs si l'un demeure relance ce sort. Oh, wow, très trop cool. C'est démoniste, c'est même pas du rogue. Ah, légendaire. Ah, Gul'dan. Gul'dan. Notre troisième. Notre troisième légendaire doré. Alors, Zélote, invoque une ghoul, ok, Gul'dan, ouais, t'avais déjà vu les légendaires. Invoque tous les démons morts pendant cette partie. Tellement badass. Tellement fort. Ah, le piège, je l'ai jamais vu par contre, nouveau piège. Alors, quand l'un de vos serviteurs est attaqué, invoque un cobra de 3 avec toxicité. Ouais. Toxicité, ça a toujours été très fort. C'est important. Peu importe ses attaques. On a tout vu. Bon, 3 légendaires en 50. Paquet. C'est une bonne moyenne. C'est-à-dire que j'ai une chance de faire 6 légendaires. Donc, un test, hein. Ça peut être pas mal, 6 légendaires. Pour un début d'extension, ça peut être cool. Alors, quête guerre gèle vos autres serviteurs. Oh, ça gèle les nôtres. Je suis pas très fan de ça, mais. Bon, après, t'attaques avant de mettre tes serviteurs. Après, c'est pas très très important que ça gèle tes serviteurs, vu que après. Ils sont dégelés à ton prochain tour. Je pense. Oh, mystère glacé, celle-là, je l'avais jamais vue. Alors, place un secret de chaque type. Votre deck sur le champ de bataille. Ah, ça me fait beaucoup penser au palace secret d'avant. La fameuse carte qui mettait tous les secrets uniques sur le PNJ. Ouais, mystère glacé, c'est badass. Alors, on va peut-être voir un match secret.
Très marrant. Ça, on a vu ça aussi. Ok. Pour l'instant, on a tout vu. Ah ouais, carrément. Oh, nice! Tral. Le tralouné. C'est génial. Putain, il y a un petit de légendaire là. C'était rapide. Si on pouvait l'avoir en doré, ce serait cool. Petite dorée là. 4 légendaires. Fléau des tombes. Alors, c'était transforme vos serviteurs en serviteur aléatoire qui coûte 2 cristaux de plus. Ça peut être une putain, c'est une 5 suivant le board que t'as. Ça peut être vraiment très très fort. On a déjà tout vu. 44. J'en ai eu 4. 4 en 60. Alors, charge vol de vie. On l'avait vu. Et des cailles aussi. Ouais, on avait tout vu. On les avait vu aussi. On a tout vu. Allez, légendaire doré. C'est une épique. Elle fait tour 2 fois. Ok. Ah, celle-là, je l'avais pas vu. Vos armes ne perdent pas de durabilité pendant votre tour. Ça, si on l'avait vu, elle me dit quelque chose. Si on l'avait vu, je dis de la grosse marde. Virgoule. On l'avait vu. On l'a vu. On les a tous vus. On veut de la fraîcheur là. Épique qu'on n'aurait pas vu. Parce qu'il y en a certainement de l'épique qu'on n'a pas vu. C'est logique. C'est logique. Ah, récupérer 3 servis, 3 cartes du deck de votre adversaire et les place dans votre main. Ça, je l'avais pas vu pour 3, pour 5. 3 serviteurs copiés dans ton deck. C'est pas dégueulasse, hein. Quand même des nouvelles cartes, c'est cool. À vos serviteurs. Oh, badass. Team provoque. Comment remplir son bord de provoque. Rare doré. On les a déjà tous. On arrive à 3, 70 boosters ouverts. Ah, attends, les sorts de votre adversaire, ça y est, on les a déjà vu. Et toi, 70 boosters, 4 légendaires. Ça fait une moyenne de tous les 20. Ça va, c'est pas dégueulasse. Épique! C'est là, on l'a déjà vu, ça fait déjà trop faux, je l'ai en plus, c'est un truc de ouf. Un pot dégâts à tous les serviteurs adverses à la fin de votre tour. Oh! C'est admire de l'effroi. 4-5 pour 5, c'est correct. Vraiment correct. C'est un effet immédiat quand tu finis ton tour. C'est vraiment fou, ça c'est fort, point de dégâts. Ah, ça je l'ai pas vu. Pour héroïque, j'ai de la cible. Excellent. Allez, on arrive à l'eau. 74e booster.
15e. Comment j'ai commencé. Alors, ça on a déjà vu, les Delaboreurs aussi. Allez, on y croit là, 4. 4 légendaires. Pourquoi qu'on chope 2 légendaires sur 30 paquets? On va faire comme. On va la faire avec notre bon vieux Torque les marmottes, les marmottes. Petit Ameno, il paraît que ça porte chance. Alors, ça on connaît tout. Allez, les 30 derniers paquets. Ameno sera avec nous. Pas le froid squelette. On l'avait déjà vu aussi. Allez, on chaîne. On a déjà tout vu. Allez, au moins encore 2 légendaires et on sera vraiment dans une bonne moyenne. Là, on l'a pas vu. 2 squelettes à 1 pour 2, 4 pour 4. Allez, ça va, ça va. C'est pas ouf, mais ça va. Trouve. Ça, on avait vu le piège. Je sais pas si on les aura tous ces légendaires. Encore 2 en 20 paquets, c'est tendu. Alors, Krieger invoque un squelette 5-5, Kral d'agonie, on a évoqué un peu votre. Oh, oh. Ah, il me fait trop rire avec sa petite. Ah, N2-2 pour 4, certes, la 5-5 est vraiment badass, mais le fait que ça m'invoque pour l'adversaire, ça doit être foutre un peu en PLS. Un peu beaucoup même. Un peu beaucoup même. Ah, celle-là, je l'avais pas vue. Un deck Kral d'agonie coûte 2 cristaux de moins. Non, c'est pas badass. Bah, pour un deck Kral d'agonie, tu poses rapidement. Allez, s'il vous plaît, jeunes gens. J'ai mis du Ameno. Ah ouais. Allez. Légendaire. Ah, je sais pas si j'arriverai tout à craft avec ce que j'ai. C'est en axe quand même. C'est en axe, c'est en axe. Là on l'a vu, elle y était avant. Après c'est que pour le chasseur, j'avais pas fait gaffe. C'est pas cool là, elles sont où les légendaires? De plus, de plus 2 que pour les serviteurs provoque. Ouais. C'était un board de provocation, ça peut aller. Ouais. Bon, je pense que si on dit qu'on a encore une légendaire sur 20 paquets, ça peut être vraiment pas mal. 5 légendaires, ça fait une légendaire tous les 20 paquets. C'est une bonne moyenne, ça. Mais au moins une cinquième. Allez, on y croit. Ça fait, je crois, une dizaine, quinzaine de paquets qu'on n'en a pas eu. Épique. Oh, t'entends cette flèche toxique, hein, décidément. Allez, Micheline, allez. Toujours pas de nouvelles. Toujours pas, toujours pas. Épique. Alors, on sort coûte 2 cristaux de plus. 5-5 pour 6. C'est pas cool. Allez, sort, c'est pas les miennes. Donc, ceux de tout le monde. Ça met un bois, ça, mais c'est comme le fameux.
serviteur qui augmente les... Ah ouais! Comme le serviteur qui augmente les... Le coût des cartes monstres de tout le monde. Niveau sort contre un mage, ça peut être vraiment cool. Et sinon, alors, qu'est-ce que c'est qu'on aura? Trogne plus, trogne plus. Très fort. Serviteur légendaire à chaque fois qu'il subit des dégâts. C'est vraiment badass. Je l'ai testé sur l'aventure. Elle m'habille vraiment bien. Genre, m'a invoqué une 12-12 légendaire. C'est du druide. Waouh! C'était un film de boule. Vraiment super fort, super fort. Allez, bon, ben en tout cas, la légendaire, on l'a eu. Donc 5 légendaires. C'est pas mal. Si on arrive à en avoir une 6ème sur les 12 derniers paquets, on peut être très, très, très content. Mais déjà, c'est. On reste sur une bonne moyenne. Vraiment une bonne moyenne. Piocher un bouclier dans votre deck, ça peut être pas mal. 2 pour 3, rien d'exceptionnel, mais ça va. Tac 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 tac. Allez, les derniers 10 derniers paquets. Vous avez dit qu'Ameno ça allait tout casser. Un serviteur de votre deck dans l'attaque. Ah, celle-là je l'avais déjà vu. On l'a vu en cours de cette vidéo. Rare. Allez, 6 parquets. 6 fucking paquets. Allez. Écoute-moi, faut que je te parle. J'aimerais bien avoir un légendaire. Pour que je puisse me la péter avec mes bros. C'est de la merde. Les 3 derniers paquets. Le dernier. Last. Ah non, il reste encore deux. Épique. Alors, inflige des dégâts d'un montant égal aux autres, au nombre d'autres cartes que vous avez jouées pendant ce tour. Ok. Ah, ça peut être badass, si t'as un... Si tu t'es fait un deck... C'est pas Meul, mais c'est le fameux deck... Je sais pas comment ça s'appelle, mais avec tous les sorts qui sont quasiment gratuits. Et le dernier. Et non, c'est fini. 5 légendaires. Pas plus. Allez, on va aller voir tout ça. Si mon jeu se décide. Alors, déjà, création. Oh, 2600. Alors. Non mais Jane, c'est vrai, ça on l'a vu, on l'a pas oublié. Ah c'était en 2-1, non je me rappelle, non, je l'ai tué. Ouais, c'était en 2-1. On a quand même chopé 3 légendaires de classe. C'est vraiment pas dégueulasse. Mais si tu dis pas de bêtises. Ah non, 3. On a eu ça, en 2-1. Ça fait 4 avec Gul'dan. Et je crois 5. 6 parce que... Garrosh se débloquer avec l'aventure.
pour ça que je l'ai. C'est cool. C'est vraiment vraiment cool. Maintenant, si je mets création. Bah oui, normal que création nouvelle, ça n'existe pas. Trône de glace. Alors. Malfurion le putride. Donc vos serviteurs avec provocation morte dans cette partie. Ouais. Chaque point de dégâts, vous gagnez 5 cartes. Gagne 5 points d'armure, invoque une goule. Oh! Combat! Putricide! Une fois que vous avez joué un secret, place un secret de serviteur. Chasseur à la tour sur le champ de bataille. Rexar! Plus de points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Sindragosa! Invoque deux champions. Oh, ça, c'est champion gelé. Polvar. Uther. Ah, c'est Uther. Uther, le retour. Archevêque. Archevêque est vraiment badass. Mais il manque beaucoup. Légendaire. Valera. Valera. Morabi. Chaque fois qu'un autre serviteur est gelé, on ajoute une copie dans votre main. Lanatel. Venez vous battre. Quelle est cette Taldaran Palana. Le roi Lich. Là, j'ai envie de la faire. Oui. Elle est badass. Elle est badass. Elle est badass. Je peux pas tous les faire, les légendaires, de toute façon. Voilà. Voilà. Bon, on va pas en racheter 5 légendaires, ça suffit très bien. Voilà, bon. Ben, on va s'arrêter là. Merci à ceux qui ont vu ma vidéo pendant que je streamais, et merci à ceux qui la verront plus tard. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois pour ceux qui suivent ma chaîne. Et pour ceux qui suivent ma chaîne, une prochaine vidéo viendra soit dans la semaine, soit la semaine prochaine. Qui sera pas un jeu, mais qui sera une vidéo, moi en train de parler, etc. Sur un sujet typique. Voilà. Alors au revoir à tous et puis à la prochaine. Ciao ciao.